Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la petite côte de bricole. Aujourd'hui nous allons faire le démontage et le montage d'un nouveau boîtier papillon ou corps papillon sur la 407 coupée de litre 2 essence. Donc voilà, puisque notre boîtier papillon a rendu l'âme. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Voilà le nouveau qui vient d'arriver. Donc voilà. C'est de la marque Pierberg. Je sais pas comment on dit. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Je vous dis à de suite sur le véhicule pour le démontage de la pièce HS et pour le remontage de cette pièce toute neuve. À de suite. Voici les deux pièces, l'ancienne qui est cassée au niveau de la roue dentelée là. Donc, je vous mettrai une photo de plus près pour voir ça. Donc j'ai démonté. Donc voilà. Donc le clapet reste tout enfermé, donc ça marche. Enfin, il rattrape la roue. Mais bon, ça a resté en panne sur le bord de la route avec ça. Donc voilà. Identique. Voilà. Donc voilà. On va monter cela. À de suite. Bon les amis, je vais vous donner les causes avant que la pièce casse, avant que le boîtier papillon casse, ce que j'ai pu avoir moi.
Le premier démarrage, après à peu près 8 heures de repos de la voiture, le premier démarrage, un coup de clé suffit pas, il faut faire deux coups de clé. Après, j'ai vu que c'est mis en mode dégradé. Et après, en tournant la clé, en remettant le contact, ça a disparu. Ou en enlevant la batterie et remettre la batterie, ça a disparu. Donc ça, c'est avant que la panne apparaisse vraiment, bien avant. Donc, si vous avez déjà ça, à un moment ou un autre sur votre véhicule, c'est que vous allez avoir un problème, à mon avis, avec le boîtier papillon. Après, ça c'est avant la casse. Après, quand ça va vraiment casser et qu'il ne fonctionnera plus, bien, vous aurez la voiture qui va se mettre sûrement en mode dégradé. Un petit quelques fois. Si vous êtes sur la route, ça continue à rouler assez souvent. Et vous aurez les codes défauts qui vont s'afficher. C'est le P1153 et le P1161. C'est les deux codes qui vont s'afficher. Et quand vous allez essayer de la démarrer, ça va s'afficher et ça va se mettre en mode dégradé. Ça va s'afficher. Vous allez avoir une petite point d'exclamation avec le triangle pour vous dire qu'il y a un problème sur le moteur. Et en mettant le contact aussi, juste en mettant le contact, vous allez entendre un bruit. Ça va faire clac, 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 clac. C'est le boîtier papillon où les dents sont cassées qui n'arrive pas à se mettre en place. Donc voilà, si vous avez tous ces défauts, ces problèmes-là, avant et après, c'est que le boîtier papillon est DHS. Donc il suffit de le démonter, regarder si c'est bien lui et le changer. Donc voilà. Allez, je vous dis à de suite. Bon les amis, voilà, quand vous avez mis le boîtier papillon en place, le nouveau, donc vous allez dans la voiture, vous mettez le contact, vous mettez la valise sur le véhicule et vous aurez toujours le code défaut, donc c'est pour ça qu'il faut mettre la valise, effacer le code défaut. Donc voilà, quand vous avez effacé le code défaut, il ne reviendra pas puisqu'il verra que le nouveau boîtier a été changé. Et l'apprentissage, il n'y en a pas vraiment besoin. En enlevant le code défaut et en démarrant, ça fonctionne. Si vous avez la valise Peugeot, Jackbox, donc vous la branchez, vous allez dans test actionneur et vous faites tester le boîtier papillon. Et il va faire un test. Et en faisant ce test aussi, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Et donc voilà. Moi, j'ai pas besoin d'apprentissage, juste en effaçant le code défaut et en faisant le test actionneur dans les paramètres de la valise, ça fonctionne. Après, si vous avez juste une valise qui efface les codes défauts, en effaçant les codes défauts, ça fonctionnera, vu que ça a fonctionné pour moi. Et j'ai fait le test actionneur après, moi. Donc, voilà. Donc, voilà comment faire pour, après avoir mis la pièce neuve en place. Donc, voilà.